Namari et Meldonia, on se retrouve une nouvelle fois sur le Seigneur des Anneaux, l'avènement du roi sorcier, la bataille pour être du milieu, l'avènement du roi sorcier. Et aujourd'hui, et ben, la dernière fois, on s'était quitté avec la conquête du coup du Rudaor. Et cette fois-ci, nous allons nous diriger vers Amoncule, mon gros cul, Amon Soul, la forteresse qui nous saoule. Donc encore une fois, YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un j'aime, un commentaire, à me soutenir comme ça. Et si vous souhaitez, à me soutenir aussi sur... réussi à contenir la vente sur Utip, si vous souvenez la chaîne via Utip et tout ce que je fais, que ce soit sur TikTok et tous les autres réseaux. Grâce au pouvoir du palantir d'Amon Sul, Arveleg a déjoué tous les stratagèmes et contré toutes les attaques. Le roi sorcier doit maintenant entreprendre une opération audacieuse et dangereuse, l'assaut direct de la forteresse d'Amon Sul. Tandis que des forces sont chargées de divertir Cardolan et les elfes, l'armée principale attaque la forteresse. Amon Sul n'accueille pas le plus vaste bastion de la Terre du Milieu, mais elle abrite une terrible puissance. Terrible puissance. Le grand Palantir du Nord. Le Palantir du Nord. Bien le bonjour, Ryoza Zaeba. Viens sur Twitch. Wow. Tant que cette forteresse tient, les terres de l'Ouest sont à l'abri de ma vengeance. Ça ne résistera pas longtemps, terrible seigneur. Quelle vengeance? Nous devons frapper sans pitié les prétendants qui surveillent les remparts d'Amon Sul. Ne sont pas des enfants de cœur. Ils semblent savoir comment utiliser leur bibelot. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils dirigent ces pouvoirs vers des malornes maudits. C'est vrai que la forteresse dans le jeu a un pouvoir pratique. Faut péter les malornes. Allons casser les malornes. Alors avant, je vais aller chercher de l'eau. Parce que mine de rien, j'ai soif. C'est vous, monsieur Mou. Merci, laissez-moi m'asseoir. Fendez les arbres et leurs pouvoirs diminueront enfin. Ok. Et puis le Twitch, lâchez un sub. Ou un don. Appel de la couronne de fer. Au boulot maintenant. Ah putain, il me faut d'abord des. Travaillez pour la couronne de fer. Il faut d'abord des ressources là. Bâtissez pour le roi sorcier. On va construire une forteresse, il va falloir des ressources. Travaillez pour la couronne de fer. La vengeance. On va capturer ça. Je suis le premier homme du roi. Légion, marchez. Hey. Ce bâtiment est terminé. Ok. Il doit être le niveau 10. Putain. J'attends les ordres. Notre nouveau bâtiment est prêt. Que ce soit nouveau bâtiment, ne dormez pas devant les trolls. Le bâtiment appartient à Angmar. Travaillez pour la couronne de fer. Ou vous serez jeté au lot. Appel de la couronne de fer. Ouais, bon. Avant de faire... une forteresse, je vais pas avoir le choix, il va falloir que je fasse un campement assez classique. Notre bâtisseur est attaqué. Hein? Notre bâtisseur a été tué. Homme d'Angmar. Chien. Notre nouveau bâtiment est bâti pour la couronne de fer. Ce bâtiment est terminé. Le combat a commencé. Du boulot pour vous, dormez devant les trolls.
Que ce soit solide. Allez. La couronne de fer vaincra. Allez les héros. On se feed, voilà, on se nourrit. On fait des XP. Voilà. C'est ça qu'on veut. Oui, je mange du saucisson. Notre nouveau bâtiment est fini. Au boulot, ou vous serez jeté au l'eau. L'ennemi attaque notre bâtisseur. Travaillez pour la couronne de fer. Ah, il y en a encore un là. Ah oui. Les hommes du roi ont un nouveau hall. Homme d'Angmar. J'attends les ordres du roi sorcier. Alors. Bâtissez pour le roi sorcier. Ce bâtiment est terminé. J'ai de la pierre et du fer pour Angmar. Appel de la couronne de fer. On va voir s'il n'y a pas des gars dans la J'attends forêt là. Les ordres du roi sorcier. Ce serait con sinon. Homme d'Angmar. Ok, personne ici. Je suis le point d'Angmar. Les moulins. Quoi? Ah oui. Un pouvoir puits de flèche qui sert pas à grand chose contre les bâtiments. Merci Momosex. Nos loups peuvent porter des colliers cloutés. Notre nouveau bâtiment doit se fortifier. Encore? Mais ça sert à rien de faire ça encore. Débile ce Je jeu. Je viens commander. Je peux fournir des esclaves à commander. Où que j'aille, les esclaves me suivent. Oui. Je vais combattre. Au boulot maintenant. Au boulot. Où c'est l'esclavage? Que ce soit les solide. Attendent. Merci Foulo, Ryosa Eba. Ryosa Eba. Voilà. Bienvenue sur le Twitch. Le hall des hommes du roi n'a jamais été aussi grand. Le repère est plus profond. Le repère est plus profond. Qui vais-je mettre sous notre bannière? Bonjour Soleil du Gondor, bonjour Bardock, comment vas-tu? Je peux fournir des esclaves. Bonjour allié du Gondor, comment vas-tu? Ce bâtiment est terminé. Je fais rien. Ne dormez pas devant les trolls. Préparez-vous à bâtir. Ne dormez pas devant les trolls. Parce qu'ils font de la merde les trolls. Travaillez pour la couronne de fer. Le rototo du troll. Où c'est l'esclavage? Angmar. Appelle vaincra. Viendez là-bas. Allons cogner. Allez cogner là-bas. J'ai de la pierre et du fer. Fer pour Angmur. Monsieur Chi, monsieur Mou. Nos forces sont attaquées. Oui. Nous reprendrons notre terre. Mon œuvre. Renfort. Oh merde. Ouh! Repis-toi, le roi sorcier! Repis-toi! Feu brûle dans notre forge des ténèbres! Montrez-leur! Yuli, va te battre! Roi sorcier! Non, non! Mais! Il fait quoi? Il est mort? Putain! Le roi sorcier est mort! Le roi sorcier dominera. Je suis un Ent, est-ce que je suis un allié? Bah. Oui. Ah, ils ont fait popper des troupes en plein milieu, d'accord. Et ils ont massacré mes mecs en plein milieu, d'accord. J'attends les ordres. Pourquoi pas? Bâtissez pour le roi sorcier. Chef des chefs. Okay, récupère ça. C'est vivre. Il retourne les rayons même du soleil contre une force en se servant d'un de leurs malornes. Ça n'a aucun putain de sens. Et pourquoi pas? L'arbre qui reconstitue les bâtiments détruits n'a pas pu se reconstruire lui-même. Nyeh. On appartient au roi sorcier maintenant.
vais-je mettre sous notre bannière? Jamais les guerriers affectent des collines. J'ai de la pierre et du fer pour en faire une forge. Allez les piquiers, en avant. Plus vite. Ils sont maîtres des forêts elfiques sur ce sol, grâce à l'aide d'un de leurs malheurs. Le sang a commencé à couler. Homme d'Angmar, n'hésitez pas. Nous marchons. Repoussons-les à nouveau. On peut pas faire le tour. En marche. Décevant. Nous allons cogner. Angmar doit se fortifier. Une forge est attaquée. Allez les piquiers, protégez notre tour, notre bâtiment. Un peu de sport. Allez, on se tire. Putain. Je peux dire pourquoi c'est impossible de dire à dos le feu et l'air. Quoi? Rien compris. Le repère est plus profond. Le hall des hommes du roi n'a jamais été aussi grand. Au boulot maintenant. Ne dormez pas. Pas devant les trolls. Dormez devant les trolls. Mais vous êtes fous. Dormez devant les trolls. Mais dors devant le troll. Mais il va me bouffer. Dors devant, je dis. Coup d'air. Bon, la forteresse, je la fous. Je la fous. Juste sous leur nez, tiens, ça me paraît pas mal. Ouais, juste sous leur nez. Encore du boulot pour vous, feignants. Parce que c'est marrant. Ne répondez pas. Je suis le premier homme du roi. Le premier homme du Rui. Ne répondez pas, misérable. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Il y a des connards qui arrivent en renfort, c'est ça c'est... Non. D'accord. Il y a un son de trompette de guerre, mais... Nous sommes l'élite. Rien de plus. C'est d'accord. Ok, pourquoi pas. Nous Oui. Ça a de la gueule. Oui. Comme ils sont beaux. Ah. Oh gosh, je chie sur vos têtes. Notre bâtissure, il se fait attaquer. Au nom d'Akatosh, fuis. C'est pas le bon univers, ta gueule. Bon, ça va être simple, hein. Ça, ça, et ça. Voilà. Hop. Voilà. Bon, on va construire les trébuchets, voilà, puis on va leur taper dessus. On va se mettre juste devant. Bonjour. Vous connaissez les trébuchets? Je crois que vous avez tâté un peu de ça, mes amis. Oui. Bim bim. Depuis la forteresse, nous les bombardons. Les munitions de glace sont assez refroidies. Nos forces sont attaquées. Les torches sont prêtes. Allez, venez. Voilà. Et ça, faites sortir vos troupes sans une forteresse devant vous. Vous allez faire quoi devant ma forto, hein? Blablam. Je suis le premier homme du roi. Bah, regroupez-vous. Tirez dans le tas. Allez. Oui. Blam. Bam. Bam. Voilà, c'est ça qu'on veut. Un petit massacre. Ah
avant, je vais casser ça. On va refaire deux Trebucha. Et pourquoi je peux pas construire une tour là? Non! On va construire une tour en plus, voilà. Ah bah attendez, je vais faire ça. Voilà. Le combat a commencé. Nous avons passé la porte. En marche. Cassons ça. Oh oui, gâche ton sort en plein milieu. C'est ça qu'on veut. Ils sont fait exploser. Ah. Oh non. J'ai utilisé plein de pouvoirs pour rien. Décevant. Qu'il pleuve des rochers sur l'ennemi. Les ténèbres attendent. Bon. Angmar doit se fortifier. Angmar doit se fortifier. Doit se fortifier. Doit se fortifier. Doit se fortifier. J'ai soif. Abattez ces murs. Les murs sont enfin gelés. Détruisez leur bâtiment. Ok, bientôt pour faire le sanctuaire du roi sorcier. La maison des lamentations est achevée. Alors, quoi? J'ai pas compris. Il y a bien un truc que j'ai pas suivi. Ah oui, du coup on a ça. Allez bâtir pour la couronne de fer. Trebucha. Notre Trebucha. Seuls les forts survivent. Nous gouvernons la Ils attaquent une forme. Allez, essayez d'attaquer là, allez, c'est ça. Homme d'Angmar. Ils attaquent nos moulins. Nous n'avons pas assez de ressources pour ça. Ah non, un trébuchet tout neuf. Quel dommage. Appel de la couronne de fer. Je ne fais Allez. Qu'un avec le roi sorcier. On va aider. Nous sommes prêts à frapper. On a dit attaquer là-bas. Je peux fournir des esclaves à commander. Faites attention, ce bâtiment d'art doit se fortifier. Les munitions de glace sont assez refroidies. Je suis voilà. Le point d'Angmar. Nous ah, cassez-vous! Merci, c'est Bou du Follow! Bienvenue parmi nous! Qui vais-je mettre sous notre bannière? J'amène des guerriers à Acte des collines! Les ténèbres voilà! Attendent. Salut Nosri, comment tu vas? Avant que tu sois déjà passé derrière, je me rappelle plus. En marche! Allez, allez, putain, elle va être un peu longue cette mission. Bah, ça, avec la forteresse qu'on a construite devant, on fait bien chier. C'est le principal. Bim, ça filme tout bien et toi? Bah ça va bien. Enfin ça va mieux que hier et lundi en tout cas. Je suis toujours toujours un poil malade mais bon. Ce bâtiment est terminé. Ça va, ça va quand même un peu mieux. Mais bon demain je vais voir le médecin et il me dira pour de bon si ça va aller ou pas. Pour le roi sorcier. Je crois que j'ai un bâtisseur qui est mouru en plus. Merde alors. Voilà, mourir. Préparez-vous à bâtir. Préparez-vous à préparez-vous à engloutir. Engloutir quoi, chef? Top. Beat. Nous avons des flèches de glace. Flèches de glace. Nos flèches sympas. Flèches de glace. Ah merde, j'espère que ça ira mieux rapidement. Bah, vous m'avez vu dans un état hier, je suis en train de hurler à la mort à chaque fois que je toussais. Ça m'énervait. Vous allez bâtir pour la couronne de fer. Que ce soit solide. Le
sang a commencé à couler. Nos moulins sont attaqués. L'ennemi est revenu. Allez. Voilà. Allez, pétez ça. Appel de la couronne de fer. Ah bah ça va, de là où je suis, j'ai la portée. Et bouya. Bim. Bouya. Tu affrontes quelqu'un ou tu fais une campagne? C'est la campagne. On fait la campagne du jeu là. On fait la campagne du DLC. Je suis le premier homme. Nos forces sont attaquées. Ce bâtiment est terminé. Je fais la campagne. Homme dans moi. Je suis le premier homme du roi. Bordel. C'est impossible. Les armes de fer des ténèbres sont prêtes. Ils ne résisteront pas. Force. D'avant. Oui. Ah c'est bon. J'ai détruit le compte à rebours des puits de feu du ciel. J'ai fini les deux premiers, faut que je commence le DLC. Ah. C'est bien. Se fortifier. Bien, c'est bien. D'avoir commencé. Encore du armure de fer des ténèbres. Très très bien. C'est quoi ça là-bas? C'est la pute flèche, je crois. En avant. Taisez-vous, vauriens. Nos ressources sont menacées. La bataille. Faites ce qu'on vous demande. Nous attendons le combat. Oui, oui. Notre bâtisseur est menacé. Bâtisseur. Au boulot, maintenant. Mais fuis, espèce de con. Bâtisseur est mort. Cet abruti est resté devant. Il n'avait qu'à pas y rester. Devant. Le seau de puce de Rogash. Le seau de pute de Roguche. Le combat a commencé. La couronne de fer vaincra. Nous gouvernons la forêt. Nous gouvernerons cette terre du milieu. Régnez la couronne de fer. C'est la fin de tout. Appel de la couronne de fer. L'arbre qui fait pousser les forêts elfiques pour protéger l'ennemi n'est plus. Très bien. Nous attendons le combat. Ils ont détruit notre petit bâtiment de production. Et merci pour m'avoir dit où les trouver depuis le temps que je les cherchais. Bah y'a pas de quoi. C'est, faut surtout dire merci à Elroir. C'est grâce à lui si les jeux sont récupérables. Nous sommes les Rodanois. Ça a dû te faire un vieux fou, je pense, de pouvoir faire les campagnes, je pense. Non. En avant! Repoussons-les à nouveau! Faites attention, bouilleux! Craignez là pour un combat à commencer! Je bâtis avec la pierre, le fer! Préparez-vous à bâtir! Bâtis. Que ce soit solide! La fin de leur époque! La fin des temps de cette nation est arrivée! Nos catapultes continuent le travail. Nous manquons de ressources. La bataille fait rage. Ce bâtiment est ma hache fume. Sortez des collines. T'as les machins, ils sortent de la caserne, ils sont déjà full armurés. C'est une blague. Terre gelée. On va rien prendre pour l'instant, on va économiser pour jouer niveau 15. L'ennemi attaque nos forces. On va faire ça. Hop, ça, ça va apparaître là-bas. Tout cassé. Chef des chefs. Le sang a commencé à couler. L'arbre qui sépare les nuages et paralyse nos forces en les éblouissant a été détruit. Continuez l'attaque. En faites venir le roi sorcier.
Nous n'avons pas assez de ressources pour ça. Ok. Alors, corruption réduit de moitié la production de n'importe quelle structure de ressources dans la zone des faits. Invoquons les géants. Nos portes sont attaquées. Mon gage est tombé. Ouais. Rokushimur. Rokushimur. Il s'est fait murer. La couronne de fer vaincra. Abattez leurs bâtisseurs. Silence et mort. Soyez sans pitié. Pas de pitié. Ah, il est mort. Continuez d'avancer. Rien de mieux que du foie de Boris pour aller mieux. C'est vrai que ça fait pas mal le travail, le foie de Boris. Oh vache. À chaque fois que je touche, ça me nique. Oui. Décapitez-les. Les hommes du roi combattent. Les hommes du roi combattent. Morgomir sera régénéré. Trébouka. Plus de Trébouka. Comment vas-tu? Bah, pas en fait que je suis encore un peu malade, Nald, ça va un peu. Ça va bien. Donc, du coup, je suis un peu en live sur Twitch histoire de. Je fais mes un peu. Ouais, que les trébuchets fassent le travail, au boulot. Bim 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 bim. Ah, Weldur il mûre. Weldur il mûre. Qu'allons-nous faire? On va vendre les trucs qu'on avait et garder les archers. Nous sommes prêts à frapper. Quand même. Ressusciter le Weldur. Ressuscitons le... Le Rogush. Puis ensuite le Weldur. Parce qu'il bande dur. Weldur, bande dur. Yeah. Massacrer ces chiens. Trébouka. Trop de Trébouka. Nous sommes les rôdeurs noirs. Mais tu es d'un chien. Mais... Tu fais toujours des photos? Ah bah ça fait un bon bout de temps que j'en ai pas fait. Et j'admets que j'ai pas vraiment le temps d'en faire non plus. Je fais des photos, bah je suis toujours plus ou moins mode. Moi je suis toujours prêt à faire des photos avec quelqu'un qui fait des photos, hein. C'est juste qu'il faut que j'ai le temps et qu'il y a un photographe qui a envie. Mais de toute façon c'est vraiment je suis pas fait que j'ai. Faudrait peut-être que j'en suis une annonce. Que je relance une annonce à un moment donné. Là-dessus comme ça. Pour les copains s'il y en a. Quand ça va intéresser, il faudra que j'organise un petit à la rigueur une après-midi. Une après-midi, t'as pas sa photo à la rigueur shooting. Homme d'Angmar, la bataille fait rage. Nous imposons en donné. À moi la vengeance. En avant! Dis-moi quand tu fais le modèle, car je suis photographe, si tu te rappelles. Oui, mais je me souviens. Hein. Je me souviens. Continuez à tirer! Oui, on a marre! Cassons ce truc! Cassons la forto! Voilà! C'est ça qu'on veut! La fin des temps! Tout cassé! C'est bon, on a gagné! Nous avons voilà. Détruit la tour centrale, la puissante Amantsoul est tombée. Tu es sur Paris? Moi j'habite toujours à Paris. Tout le monde s'agenouille devant la couronne de fer. Eh ben, ça aura pris son temps cette histoire. La forteresse d'Amantsoul est vouée à la ruine. Sa garnison réduite, la grande citadelle du nord ne peut affronter la fureur d'Angmar. Mais la victoire d'Angmar n'est pas totale.
Arveleg est parti d'Amon-Sul avec un trophée que le roi sorcier convoite plus que tout au monde. Le dernier royaliste. Eige Urmadu. Eige Urmadu. Alors, Eige, c'est salut. Et je crois que c'est du finnois. Non, c'est pas du finnois, parce que le finnois, c'est. Tu dis. Hyva Hilda. Dis bonjour. Bon, bah en tout cas, YouTube, encore une fois, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouvera la prochaine fois, du coup, pour l'épisode 4 de la campagne, à savoir, du coup, l'œil du Seigneur des Ténébrus. Et on se laisse là. Donc, encore une fois, abonnez-vous, tout ça, et puis le Twitch, lâchez un sub. Des bisous. À marier.